Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 sur la nouvelle map The Darkest Shore. Donc c'est un glitch out of map en solo, donc bien sûr réalisable en multi bien sûr, qui va vous permettre d'être invincible et qui va vous permettre de ramasser, d'avoir des XP en illimité et faire des manches en illimité. Alors, ce glitch se passe près des bunkers, donc là où je suis hein, presque. Donc pas par là. C'est de l'autre côté. Donc, frayez-vous un chemin. Voilà. Alors, vous allez vers le pack-a-punch. Et en fait, ça se trouve, voilà, juste ici. Vous voyez où il y a les deux petits morceaux de bois. Donc, le pack-a-punch, il est là. Là, il y a deux petits morceaux de bois. Vous vous allongez. Donc, il vous faudra bien sûr Quick Revive si vous voulez le faire en solo. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà, là, je suis dedans. Et regardez, quand je vais respawn, si vous êtes à plusieurs, bah, il suffit juste de se réanimer par un pote. Voilà, quand vous faites respawn, vous retombez de l'autre côté. Alors, quand vous êtes ici, mettez-vous dans ce coin-là. Comme ça, hop. Et là, écoutez bien ce que je vais vous dire. Et là, si vous tombez en bas, vous serez invincible et vous pourrez faire des manches en illimité. Mais si vous voulez explorer un peu plus, il va falloir sauter sur ce tuyau, puis sur ce tuyau. Donc, ça va pas être très évident totalement. Hein. On va essayer. On sprint, on saute. On sprint, on saute. Voilà, je sais pas si je peux y aller tout droit, mais pour la vidéo, j'ai préféré sauter. Je ne sais pas si j'aurais pu marcher, je ne sais pas du tout, je pense pas. Il faut vraiment sauter, je pense. Et là, vous ressautez encore une fois. Ne vous tracassez pas, il n'y a pas de dégâts de chute. Hein. Donc, si j'ai eu un petit peu de dégâts de chute en fait, mais bon, ça m'a pas tué. Donc voilà, là, on se retrouve ben, juste derrière, devant la porte, près du sous-marin. Quoi. Donc de là, regardez, de là, vous êtes totalement invincible. Hein. Et de là, bah, vous pouvez faire des cuts en illimité. Mais le problème, c'est que si vous restez ici, il n'y aura que les zombies spéciales. Donc les zombies bombes, les zombies battes. Et tous les zombies normales tomberont sur, bah, sur le sous-marin. Donc, ça ici, c'est juste pour explorer. Quoi, hein, si vous voulez, vous explorez. Donc je ne vais pas explorer plus pour peur de tomber dans un trou et pas pouvoir vous montrer comment faire les XP en illimité. C'est tout simple. Si vous voulez faire des XP en illimité, bah, vous sautez dans le trou. Attendez. Pas par là. Ah ouais non, il faut y aller vers ici. Donc là vous sautez ici. Voilà, hop. Et voilà, là ça vous a mis en dessous du sous-marin. Donc là vous devez aller ici. Donc là les zombies, vous voyez, je peux pas les toucher. Je peux pas les toucher. Mais regardez, la solution c'est de s'allonger, de ramper en dessous jusqu'au maximum. Et là vous mettez un strike pack sur le rapid fire coup de cut en illimité, ou alors vous utilisez un Chronus Max ou vous le faites manuellement. Mais si vous voulez le faire avec un Chronus Max, bah, vous pouvez le faire. Comme ça active votre spécialiste et tout en même temps. Et comme ça, bah, ça joue à votre place. Pareil pour le strike pack. Et ces deux accessoires se trouveront en description si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, ils sont payants. Ça coûte 50 à 60 euros par accessoire. Donc voilà, ça à vous de voir. Enfin bref, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.